Et salut tout le monde, on se retrouve sur One Piece Bounty Rush. On commence la toute nouvelle saison PVP et donc on va directement aller au combat. Et oui, du coup, j'ai démarré à plus pour cette nouvelle saison, la saison 48. Et on va directement aller partir, on va plutôt tryhard en off et aussi en quelques vidéos pour passer S+ rapidement parce que j'ai pas trop joué cette saison. J'avais pas mal de choses à faire. Et du coup, on va directement aller démarrer ces combats. On va faire des combats un petit peu troll au début, comme vous l'avez vu. Là, je joue avec Nami qui est sorti il y a 2 ans. Et comment il s'appelle? Shanks, le free-to-play qu'on nous donne au début quand on crée notre compte. Du coup, on va voir un peu ce qu'ils donnent, s'ils sont toujours cool, s'ils suivent un peu toujours la tendance ou pas. Les deux sont au niveau 100. Et on va voir un peu ce qu'ils donnent à ce Elo là. Donc les gars, si je ne parle pas beaucoup durant le combat, c'est normal parce que je suis concentré. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que ça servait à rien de dire en commentaire que je parle pas beaucoup lors des combats. Donc en face, on joue contre Ace. Bah, quasiment que des trucs free to play, excepté le Law et le Drake. Pour directement capturer le prochain point. Ah, l'esquive, j'aurais dû esquiver avant. J'aurais dû. Fallait que je change. Faut que je change mon bouton là. Donc maintenant on va aller voir un peu ce que vaut ce Shanks après 2 ans. C'est toujours bien ou pas? Ouais non, il n'est pas si fou que ça en vrai. Après c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas les bonnes cartes. Les bonnes pièces plutôt. Donc on va rester ici pour capturer le point. On va le capturer à fond, hein. On va mettre la chose à 100%. Ok, c'est bon. Le retake. Non, 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 ça va, ils ont pas fait de retake. Donc on monte en haut. Il est paralysé, je sais. Ouais, c'est bon, je l'ai buté. Je vais le monter à la moitié parce que c'est pas à moi de le faire normalement, c'est des défenseurs. Faut que j'aille capturer l'autre. Oh, mais il est sur le point. Ils voudront pas me laisser le capturer, je pense. Ok, impeccable. On gagne le premier combat, c'est pas mal. C'est pas mal. Le premier combat de la saison, on le gagne, c'est cool. Par contre, les coffres, on va voir un peu ce qu'on a. Waouh! C'est pas ouf, c'est pas ouf.
Du coup, cette fois-ci, on va changer un peu les persos. On va retourner sur du Zoro Juro. Donc, Zoro Juro, on va jouer type, Team Wano Kuni. On va faire ça. Donc, type défensif rouge et type bleu offensif. Du coup, on va aller attaquer ça tout de suite. Ok, donc on est sur Thriller Bark. Je joue avec 3 pièces Joro Joro niveau 100 et niveau 94 Law de Wano Kuni. Concernant les cartes, ce sont. Enfin, concernant les pièces, je pense pas les avoir changées, donc c'est toujours les mêmes. Ok, donc Barbe Noire. J'ai oublié son blaze. Ah, il y a deux Snake Luffy en face. Ça va jouer extrêmement offensif de leur côté. Chez nous, ça va être tendu un peu. Ça va être tendu. Surtout qu'ils ont un Rayleigh en face pour les dégâts, qui est quand même une très bonne unité. Ok, en vrai ça va, ça va, ça va. C'est vrai qu'on est on est dans un bas elo, donc en vrai de vrai. J'aurais dû l'esquiver en vrai. Ah, ma souris qui était pas sur l'écran du jeu, oh là là. Faut pas que je meure, faut que j'aille récupérer la vie. Bah, du coup, on gagne. C'était plus rapide que prévu. Non, il a pas le temps. C'était rapide, hein? C'était extrêmement rapide. Ok, c'est cool. Ok, d'accord. Oh, 3 coffres en or. C'est pas mal. Donc on drop quoi? Snake Man. En vrai, ça va, c'est correct. Dernier? Pourtant, je me suis pas assez bien débrouillé. Bon, après, tranquille, tranquille. On va en faire un dernier. On va changer. Est-ce que j'ai des unités qui sont supérieures au niveau 80? On va jouer avec. Non. En vrai, de vrai, je vais la monter. Vais la monter. Pour le moment, je n'augmente pas ces trucs. Son arbre. On va changer Joro Juro et on va mettre un autre perso. Pour que ça soit un peu corsé, je pense que je vais jouer ce type défensif. Et je vais remplacer un autre. On va aller par niveau max. On va aller les traiter par niveau max. Du coup, on a un niveau 80 ici, 82 là, 85 ici. Après, les autres unités, elles sont vieilles. Vous savez quoi? On va garder lui. On va mettre lui à la place de lui. On va faire ça. Et on va jouer avec. Je vais jouer avec lui, mais non.
Bah, je sais pas qui mettre en vrai. Pour que ça soit bien équilibré en vrai. Je crois que j'avais le. Je pensais que j'avais le Smoker V2, mais non, je l'ai pas. Donc je pense qu'on va garder cette compo là pour le moment. Et du coup, on part directement. Ah, mais je l'ai pas équipé. Il faut les pièces. Donc j'ai décidé de partir avec des pièces Zoro et Nami 2 ans plus tard pour que ça soit un peu corsé. Parce que là on n'est pas sur du S plus ou du S en classement. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai décidé de prendre des pièces non améliorées et de partir avec des pièces de Nami et Zoro. Avec des persos niveau 71 et 75. Donc on part encore sur Thriller Bark. Donc là, ça, on est à 71 000 de puissance. 76 000. Oh, on a un niveau. Ok, c'est pas mal. On a un niveau 1. J'ai oublié son nom. Mais qui est niveau 100. C'est pas mal. En vrai, là, c'est mon premier test avec le rouge. Ah ouais, je vais capturer celui-là. Ok, en jauge maxé, je prends l'autre aussi, max. Oh, je l'ai pas vu arriver. Je l'envoie valser et j'essaie de capturer ça au max. J'ai pas du tout l'habitude de jouer comme ça en fait. Enfin c'est la première fois que je le joue. J'étais en train de replacer l'écran derrière, c'est pour ça. Du coup on bascule sur le duo. Le fameux duo. Attendez, excusez-moi. Je replace juste ça. Voilà, excusez-moi. Là, je touche plus au truc. Je sais pas pourquoi on est à 3 dessus. Je vais monter en haut. Faudra vite capturer là. Pourquoi ils galèrent? Pourquoi ils ont pas capturé celui-là? Ils sont complètement débiles. C'est dommage. En vrai, c'est dommage. Oh, j'étais bien concentré, surtout que la caméra elle m'a cassé la tête à la fin là. Ben, sur ce, c'était la petite reprise pour la nouvelle saison. Au calme, tranquille.
Deux victoires pour une défaite. C'était tranquille. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Il y aura de nouvelles vidéos. Bien sûr, le nouveau portail pour la célébration des 2 ans. De l'anniversaire des 2 ans qui arrive bientôt. Donc dans 2 jours, après-demain. Et sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine. Lâchez un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Ça me ferait énormément plaisir. Allez, ciao, peace.